Et eh ben salut tout le monde, c'est Toxic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être le test du mode entraînement. Donc je pense que dans cette vidéo, il y aura rien de fou, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester par contre. Donc j'ai juste lancé épreuve de drague parce que j'ai vu comme ça me faisait penser un peu à l'arrière d'une moto, le logo. Donc je me suis dit peut-être que, parce qu'ils prêtent les véhicules, donc c'est assez sympa, hein, ça permet de gagner un peu d'argent. Mais j'en ai testé je pense une, j'ai testé un drift. Je sais plus laquelle, mais c'est un drift qu'on avait déjà eu dans un summit. Donc j'espère que bon, ça va pas être tout le temps pareil, parce que c'est vrai que ça commence à être assez chiant. Donc quand on arrive sur la carte, on voit un peu de bordel partout. D'ailleurs, après, je vais faire les qualifications pour pouvoir gagner la petite BM qui a gagné ce mois-ci. Je ferai voir peut-être tout à l'heure si j'y pense. Donc on va se faire, je sais pas lequel, hein. Soit le drag, on peut faire le drag, le monster truck. Écoutez, on va se faire un petit. Allez, on va se faire un petit Monster Arena là-bas parce qu'on n'a jamais été. Donc le Monster Arena, d'habitude, c'est toujours au même emplacement. Donc là, on verra bien. Hein. Ça se peut que c'est une arène différente. Ça peut que ce soit un peu plus sympa. Donc quand t'as pas de véhicule, il te le prête. Donc ça c'est sympa pour un mode d'entraînement si jamais vous n'êtes pas habitué ou même que vous venez d'avoir le jeu. Voilà, ça vous permet de tester un peu les différentes caractéristiques du Summit, pardon. Ah oui, donc c'est une arène près de l'eau, oui. Je pense qu'on l'a déjà effectué aussi celle-là. Donc j'espère que le son du jeu sera pas trop fort. Et si des moments il y a un peu de silence, les gars, c'est normal, c'est de la concentration. Mais honnêtement, on va pas se prendre la tête, on va. Ah oui, c'est vrai, il y a le nouveau système de points qui avait été implanté aussi dans la mise à jour. On va. C'est l'occasion de tout tester, tiens. On va tout tester en même temps. J'ai failli me tuer. J'aurais dû partir par le milieu. Pas grave, on va essayer de se relancer. What? On peut faire un 360 en l'air. Oh, la voiture a une réaction bizarre. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le véhicule fait des drôles de choses quand il est en l'air. On va faire un petit backflip ici, c'est bien. Allez, un double. Les deux. Hop là. Ah oui, donc les points sont moins cheatés, hein. Ça augmente beaucoup moins vite. Les doubles backflips, avant, je crois que c'était 1500. Si je dis pas de conneries, bon, je sais qu'il y a les gros points, les chercher en haut, tout ça. Regardez quand on met un coup de volant, quand on a l'air, elle tourne sur elle-même, le véhicule tourne sur elle-même. Donc avant, c'était pas comme ça, il me semble pas. Là, il faudra vraiment s'y habituer. On va essayer d'aller. Oh non, on pourra pas monter ici. Ah, d'accord, attendez, on va essayer. Allez, on va se faire un petit délire. Je sais pas si ça comptabilise des points. Ah ouais, 360. Peut-être qu'à l'époque, enfin à l'époque, peut-être qu'avant ça marchait déjà, mais honnêtement j'avais jamais prêté attention. Bah, il me semble pas, parce que quand on était en l'air, on arrivait à plus ou moins gérer l'atterrissage. Wow. C'est un peu chaud, honnêtement c'est un peu chaud. Bon, on a 1 minute 20, je pense qu'il n'y aura plus des scores abusés comme avant, mais au moins, bon, ça change un peu le gameplay. C'est vrai qu'il faut le prendre en main. Mais assez sympa. Boum. J'arrive pas de l'autre côté. Oh, si, c'est passé. J'ai fait un mauvais atterrissage. C'est normal. Si t'atterris pas vraiment sur les roues, c'est pas très bon. J'ai cru que j'allais tomber dans le trou. Oh, hop. Ouh. Je pense qu'il y a un trou là juste derrière. Oui. Donc des fois c'est bien, ça se combo, donc c'est assez sympa. Ça fait encore un petit boost de. On va aller là-bas, on va aller chercher les gros points. J'espère qu'on aura assez de vitesse. Boum. Ah, mauvais atterrissage. Ah non. Honnêtement, quand les roues sont levées et que vous faites un petit comme ça, 360, c'est assez sympa. Bon. En tout cas, le mode entraînement permet aussi de tester les arènes, les différents véhicules, parce qu'ils vous en prêteront un. Donc ça, c'est assez sympa. Après, si vous voulez qu'on teste en vidéo le mode entraînement drag ou drift, il n'y a pas de souci. Hein. Comme d'habitude, je suis à votre écoute dans les commentaires. Je lis, je réponds quand je peux. Bon. Et en plus, les pièces qu'on débloque dans le mode entraînement, de ce que j'ai compris, c'est vraiment pour nos véhicules, donc ça c'est assez sympa. Je sais pas comment ça se passe quand c'est un véhicule de près. Regardez, comme là je peux équiper la pièce. Donc quand c'est un véhicule de près, je sais pas du tout comment ça se passe, mais je sais qu'on gagne de l'argent. Donc ça c'est toujours sympa. Bon les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et on se retrouve bientôt. Ciao.